Voici aujourd'hui rentrée de Rio avec une belle médaille d'argent individuelle. Écoutez, j'ai vécu quelque chose de magique là-bas. C'est les Jeux Olympiques, c'est le rêve un peu de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai réussi à le réaliser. C'est pas une médaille d'or, mais c'est quand même une médaille d'argent. J'ai tout fait pour. Mon objectif était vraiment de revenir de là-bas avec une médaille, que ce soit individuelle par équipe. J'ai eu la chance de pouvoir revenir avec cette médaille individuelle. Voilà, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. J'avais pas vraiment réalisé en étant là-bas. En arrivant ici, en arrivant à l'aéroport avec le monde qu'il y avait et tout, c'est en train de se rendre compte que voilà, j'ai fait quelque chose pas que pour moi, loin de là. C'est quelque chose qui récompense toute une performance, tout un entraînement qui a duré des années et des années. Et cette médaille, c'est moi qui l'ai gagnée, mais en arrivant ici, tu te rends compte que elle est gagnée pour tout un pays. Parce que tous les gens qui te soutiennent, même des gens qui ne te connaissent pas, qui connaissent rien au tir à l'arc, j'ai reçu des petits mots, que ce soit par internet, que ce soit par courrier ou autre, des gens qui félicitaient, c'est là que je me rends compte que c'est une ampleur énorme. Et un grand, grand merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu pour qu'aujourd'hui je revienne avec cette précieuse breloque, que ce soit ma Franche-Comté, là où j'ai appris à tirer à l'arc, le club de Torp. Aujourd'hui, là où je suis licencié, au club de Nîmes, au Landoc, la fédération, le système d'entraînement fédéral entre les pôles, le pôle France de l'INSEP, la boutique où je travaille, France Archerie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Déjà, un grand merci à tous. Et vraiment, ce qui crédibilise cette médaille, c'est le fait de la partager. Parce que oui, elle est à moi, c'est moi qui l'ai. J'ai énormément travaillé pour. Aujourd'hui, je l'ai eue, mais la valeur qu'elle a vraiment, c'est le fait de la partager avec tout le monde, de savoir que tous les gens qui gravitent autour de moi m'ont aidé, m'ont soutenu, et aujourd'hui c'est récompensé du fait de la partager. Tous vos messages de remerciements, d'encouragement m'ont vraiment aidé, et un grand merci à tous. On a vécu des choses magiques. C'est vrai que c'est la magie des Jeux Olympiques. Sauf que, imaginez si ça, là, avec ce que ça m'a apporté, ce qui va, ça va apporter à la Fédération française de tir à l'arc et au sport en général, si on pouvait le vivre à Paris en 2024. Ça permettrait à toute la France, que ce soit des sportifs ou non sportifs, d'avoir un jour la chance de pouvoir venir et participer aux Jeux Olympiques. Quand je dis participer, il y a les participants, les sportifs, mais tous les supporters et tous les jurants qui viennent. Moi, je suis allé voir deux, trois autres disciplines, que ce soit du plongeon, que ce soit les matchs de hand. L'ambiance, mais c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport en général, comme un stade de football. C'est sûr qu'il peut y avoir une très bonne ambiance. Mais là, les Jeux, on est tous dans la même famille, que ce soit les sportifs, que ce soit les supporters, les gens dans les gradins. Et je pense que si on avait ça à Paris, eh bien, vous allez découvrir quelque chose de magique.